C'est un état de surface qui est relativement propre. Hein. Je veux dire, si, ça, vous pouvez pratiquement l'attaquer au papier après. Hein. Et après, en fonction du... J'appuie pratiquement pas, mais j'ai un état de surface qui est relativement propre. Oui, en faisant varier la pression, on obtient voilà. Un état différent. Finalement, l'intérêt, c'est d'enlever du copeau sans appuyer, comme ça vous êtes plus... Voilà, pour ne pas... Vous voyez, quand, au début, quand j'y suis allé, vous y allez... Franco, il faut y aller franchement. Vous achetez, comme je dis toujours, quand on... après. Thank you.
finit au ciseau, mais là on va le finir avec le. Je vous permettez, pardon. Et avec ma petite râpe, non, ça fait pas long. À quel nom? Celle-ci, non? Je le sens moins. Ouais. Je me sens plus à l'aise avec celle-là. Parce... Bon. On va l'utiliser peut-être pour l'état de surface. Ce que je veux arriver à vous sortir, c'est une arête nette qu'avec les râpes, là. Là, le petit arrondi. Ouais, que j'ai le... Je finis à pas vous rentrer dedans à force de vous coller. Pardon? Je vais finir par vous rentrer dedans à force de vous coller comme ça. Mais... Ça porte un nom à ces pieds. C'est un pied biche. Non mais c'est surtout que comme c'est pas comme c'est couvre au fur et à mesure où ça se fait là où on va moins galbé là hein. Si mais on va y aller. Ah mais d'accord. Ah, je croyais qu'il peut rouler un amateur mais. La plus importante, celle-là. Il faut que le pied soit gainé sur une toute petite dimension sans avoir de jarret. Ouais. C'est-à-dire que le gainage doit être constant
Parce que du fait qu'on revient sur l'avant, on a tendance à faire ça et à élargir le pied comme ça. Pour signaler un petit peu l'ensemble, pour y clore. Ouais, ça a l'air, allez-y.